Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 30 mai sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Comme le veut la coutume, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce jeudi sur le même hippodrome de Clairefontaine. Alba Power, le numéro 2, monté par Stéphane Pasquier, gagne du minimum devant le numéro 10, Écolo, notre favori. Top Prono s'illustre en donnant le tiercé des ordres, le quartet des ordres de 100 euros et surtout le quintet plus dans le désordre d'un peu plus de 322 euros tout de même. Une fois encore, de belles performances sont à noter du côté du concours de pronos gratuits. Capucine, Corsiman et Laguiche 29 s'emparent des trois premières places du classement du jour grâce à un joli quintet des ordres ainsi que les bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les trois! Allez, abordons maintenant le tiercé quartet quintet plus du jour qui aura une nouvelle fois lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine. En ce samedi 30 mai, place aux sauteurs donc, et plus particulièrement aux sauteuses. Au départ du parcours de haies, long de 3600 mètres du prix de Trinidad, quatrième course de la Réunion 1, 16 femelles âgées de 4 et 5 ans s'affronteront. Avec 80 000 euros de dotation totale à se partager, il y aura certainement du rythme du départ à l'arrivée. Event's Night, le numéro 8, sera notre favorite. Présentée par Michael Serre et montée par Félix de Gilles, cette jument régulière mériterait de remporter son quintet plus. Via Maresca, le numéro 2, participe ici à son premier handicap. Restant sur une belle victoire obtenue le 12 mai dernier, elle peut se sortir de son poids de 70 kg. Cathy Love, le numéro 1, est une compétitrice de qualité, lauréate de 3 de ses 5 premières tentatives. Avec 71 kg sur le dos pour son premier handicap, elle peut faire plaisir à Patrice Quinton. Jugeote, le numéro 3, est une représentante de l'entraînement Chotard qui vient de bien conclure à la deuxième place. Avec un James Rivelet extrêmement motivé à ses commandes, elle peut logiquement terminer dans les 4 premières. Anna Top, le numéro 6, est une représentante de l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui a énormément de talent. Décidée, elle peut renouer avec la victoire ici. Ludella, le numéro 15, bien placé en bas de tableau et monté par une fille qui va bientôt s'affirmer en la personne de Pauline Dominois, elle peut logiquement briller face à ses aînés. Sinon partant, il venait à y avoir, Sossane Seniora, le numéro 5, entraîné par François Nicole, entrera alors dans nos plans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.